Sur bah, les trois points positifs, les trois points négatifs d'abord, si ça vous ennuie pas. Trois points négatifs. Cette ville, elle souffre d'un déficit de végétalisation massif. On a minéralisé beaucoup trop. La place des Terreaux, le cours Lafayette sont des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. En point positif, malgré tout, je dirais, bon, on a connu une extension, une poursuite de l'extension du dispositif Vélov. On a maintenant sur les stations Vélov, enfin sur certaines stations Vélov, des gonfleurs. Hein? C'est assez pratique pour moi qui suis cycliste mais qui ne prend pas de Vélov. Voilà, je vous dirais des petits points positifs. Maintenant, le point négatif, c'est que malgré le plan vélo qui est mis en œuvre, on reste en deçà de l'équipement nécessaire. Vraiment très en deçà de l'équipement nécessaire. Un point négatif, et fortement négatif pour moi, celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aujourd'hui le scandale de la politique d'accueil de la ville de Lyon. Des centaines d'enfants aujourd'hui sans toit, qui sont scolarisés dans nos écoles, mais qui sont sans son domicile. C'est inacceptable. C'est inacceptable en 2020. C'est inacceptable pour une ville comme Lyon, pour une ville qui a une tradition humaniste, et en tout cas qui s'en réclame. On doit être à la hauteur, on doit prendre notre part. Vous me demandez un point positif. Je pense à des choses, mais anciennes, donc pas sur cette mandature, mais bon, les berges du Rhône, et puis la mise en place des vélos étaient des bonnes initiatives.